Hello tout le monde, c'est Ophélie. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un manga qui s'appelle Quand Takagi me taquine, tome 2 de Soichiro Yamamoto, donc publié chez édition Nobinobi. Vous avez déjà fait une vidéo sur le tome 1 que je vous mettrai le lien ici. Alors, je vous avais dit que j'avais pas trop aimé le tome 1 et le tome 2 poursuit dans sa lancée. Je ne l'ai pas vraiment aimé. Je comprends. Je savais déjà, mais je veux. C'est vraiment expliqué dans le texte pourquoi Takagi embête Nishikata. Mais je trouve ça vraiment un peu niais, un peu. Pas débile, mais niais, oui, niais. En fait, c'est pas vraiment très réaliste, je trouve que. Donc voilà. À l'intérieur, donc, ça se présente comme tous les mangas. Donc. Le sens japonais avec les illustrations en noir et blanc. Bah, j'ai bien aimé les illustrations par contre. Et je pense essayer de m'inspirer, d'essayer de les reproduire parce qu'elles sont vraiment très très belles. Mais voilà, l'histoire m'a pas emballée du tout. Et je trouve ça dommage de m'avoir envoyé le tome 2 alors que j'avais dit que j'avais pas aimé le tome 1. Mais on va pas leur reprocher parce que ça aurait pu être. Le tome 2 aurait pu me plaire. Mais pas du tout. Donc c'est à partir de 11 ans. J'ai demandé à Mathis de le lire, voir qu'est-ce qu'il en pense. Et on verra bien. Donc voilà. Donc cette vidéo va être très courte parce que j'ai pas envie de dénigrer ce livre. Parce que. Voilà, il m'a pas plu. On va pas faire tout un plat. On va pas le décrire de. Comment dire, faire un avis très très négatif pour que personne ne l'achète, personne n'a envie de le lire. Je vais vous raconter la suite. Donc en fait, on continue dans l'histoire entre du coup Nishikata et Takagi. On voit du coup il l'embête et tout. Mais elle se calme entre guillemets un peu. Mais voilà. Donc j'ai pas grand chose à dire sur ce livre. Parce que j'aime pas dénigrer un livre. Et là, franchement, ça s'est vraiment pas passé. Son point positif, par contre, c'est que la couverture est vraiment bien faite. Et j'ai beaucoup aimé aussi la quatrième de couverture qui est vraiment assez drôle. Donc voilà, c'est tout pour ce livre. Je vous mettrai, pareil, toutes les infos sur ce livre, le résumé et tout. Pour que vous ayez fait une petite idée. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous l'avez lu, si vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez aimé. Parce que du coup, moi, je sais pas trop quoi en dire. Et puis voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau livre.